Conakry, 15 juin 2017. Bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Le ministre français de l'Union européenne et des affaires étrangères reçu par le président de la République à Conakry, Jean-Yves Le Drian, rassure que les entreprises françaises vont s'investir davantage en Guinée. Un projet innovateur dans le secteur de la protection de l'environnement, imagerie spatiale, est une nouvelle technologie qui permet de répertorier et d'évaluer le patrimoine forestier. Un étudiant, une tablette, une réalité dans les institutions d'enseignement supérieur. Après les universités publiques, c'est au tour des privés de recevoir cet outil d'apprentissage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi au Palais Serrouturia sous la haute présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La session a porté sur plusieurs sujets d'intérêt public. La rencontre a débouché sur une série de décisions. Bernard Tonguino. Comme à l'accoutumée, ils se retrouvent pour débattre des questions de la nation. Les membres du gouvernement, sous la présidence du chef de l'État, passent en revue les différents sujets relatifs au développement socio-économique du pays. Le conclave s'ouvre par les instructions du président de la République. Au titre du premier point de l'ordre du jour, M. le Président de la République a demandé au gouvernement de veiller à la correcte application et au suivi des mesures adoptées pour accélérer la distribution des engrais aux agriculteurs. Le chef de l'État a invité les ministres concernés à procéder à l'évaluation du niveau de réalisation des grandes infrastructures en cours et à veiller au respect des délais de livraison des ouvrages programmés. Le président de la République a demandé au ministre en charge des mines de produire un rapport sur l'application de la politique de promotion du contenu local au niveau des exploitations minières. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de tirer les conclusions des dernières visites de travail de la Société financière internationale et de la Banque islamique de développement. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel qui se sont tenues donc les 6 et 13 juin 2017. Puis, c'est au tour des chefs de département d'exposer les préoccupations et les projets de leur ministère. Des communications portant entre autres sur le projet de décret relatif à la protection du patrimoine routier national et la dématérialisation des bulletins de paie du personnel de la fonction publique. Le ministre a déclaré que la dématérialisation des bulletins de paie s'inscrit dans le cadre de la révolution technologique en cours. Les avantages de cette dématérialisation ont été présentés au gouvernement, aussi bien pour le fonctionnaire que pour l'État. Notamment la protection contre les pertes et destructions, l'accessibilité aux bulletins de paie à distance, la familiarisation avec l'outil Internet, la réduction des frais d'impression, l'optimisation des processus de gestion des ressources humaines et la modernisation de l'administration. Autre communication du Conseil des ministres de ce jeudi, celle de la ministre de l'Action sociale autour de la politique nationale de protection sociale. Le ministre de la Fonction publique, quant à lui, annonce les couleurs de la célébration prochaine des Journées africaines de la fonction publique du 21 au 23 juin prochain. Le chef de département de la Santé, lui, fait le point sur l'évaluation des revues des sociétés grossistes des produits pharmaceutiques en Guinée. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil adopte le projet de décret portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée, sous réserve de la prise en compte des observations formulées. Le Conseil invite la ministre à faire une communication sur la mise en place d'une agence routière en Guinée à la prochaine session. 2. Le Conseil adopte le document de politique nationale de protection sociale. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la visite du ministre français en charge de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Professeur Alpha Condé a également fait le point sur ses travaux au sein de l'Union africaine. Restons au Palais Serrouturia pour signaler que le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu hier le ministre français de l'Union européenne et des affaires étrangères. Les entretiens ont porté sur la consolidation des relations de coopération entre Conakry et Paris. Jean-Yves Le Drian a rassuré que les entreprises françaises vont s'investir davantage en Guinée. Compte rendu signé, Momelamine Nassouma.
Ces dernières années, la Guinée et la France sont deux pays qui se fréquentent régulièrement et qui coopèrent amicalement. Une coopération au beau fixe, au point que le ministre français des Affaires étrangères, Yves Le Drian, parle de relations de confiance avec la Guinée. Aux côtés de son ami Alpha Condé, comme il l'appelle, le ministre français des Affaires étrangères a affirmé que les entreprises françaises sont prêtes à accompagner le développement économique de la Guinée. J'ai tenu à faire ici ma première visite de ministre des Affaires étrangères au sud du Maghreb. Première visite en Afrique subsaharienne auprès de lui parce que c'est un ami et parce qu'il assure aussi la présidence de l'Union africaine. Et donc ce déplacement est à la fois symbolique et politique. Nous avons avec la Guinée une relation de confiance. Nous constatons la remontée de la croissance. Nous constatons aussi le renouveau économique. Et j'ai dit au président Alpha Condé que les entreprises françaises étaient tout à fait prêtes à accompagner cette reprise économique que nous constatons. D'ailleurs, aujourd'hui même, a été signé un accord concernant l'exploitation de la bauxite. Il y a ici une centaine d'entreprises françaises qui ne demandent pas mieux que d'investir et de participer à la croissance de ce pays. Nous avons aussi évoqué ensemble l'enjeu des énergies renouvelables. D'abord, notre accord total pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Mais déjà, le président Alpha Condé s'était exprimé sur ce sujet comme président de l'Union africaine. Mais comme il préside aussi l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, nous avons pu évoquer la manière dont sa stratégie et sa volonté allaient pouvoir se mettre en place et la manière dont la France pouvait l'accompagner, la manière dont l'Union européenne pouvait l'accompagner. La France va également accompagner le gouvernement guinéen sur le plan social, dans le domaine de la santé notamment. Nous avons aussi évoqué les questions liées à la santé, puisque ce pays a connu la crise du virus Ebola. Il a été accompagné par la France de manière significative à ce moment-là. Et des initiatives importantes ont été prises pour renforcer la recherche et l'accompagnement dans la lutte contre ce type de crise sanitaire. Ça a été le cas par la mise en œuvre de l'Institut Pasteur que mon prédécesseur Jean-Marc Ayrault était venu ici inaugurer il y a quelques semaines. J'ai également pu m'entretenir avec le président Alpha Condé en sa qualité de président de l'Union africaine des crises du moment, que ce soit en Afrique, pense en particulier à la crise du Sahel et à la situation en République centrafricaine, que ce soit à l'extérieur, et en particulier les crises au Moyen-Orient sur lesquelles nous avons des avis communs. Et je suis très heureux d'apprendre que concernant la situation au Sahel, le président Condé participera le 2 juillet prochain à la réunion du G5 Sahel, à laquelle participera aussi le président Macron. En réponse, le président Alpha Condé a exprimé sa satisfaction du fait que la France soutient le plan quinquennal de développement 2015-2020 élaboré par le gouvernement guinéen. J'étais très heureux de recevoir mon ami et camarade. Et c'est surtout que c'est son premier voyage en tant que ministre des Affaires étrangères, ce qui est normal puisque non seulement on a de bonnes relations, mais j'assume la présidence de l'Union africaine, donc il était important qu'on échange sur les relations entre la Guinée et la France, mais surtout quelle va être la politique de la France à l'égard de l'Afrique. Il est extrêmement important parce que il y a beaucoup d'attentes à l'égard du nouveau gouvernement. Et nous pensons que les engagements que le président Macron a pris tant lors de son voyage au Mali que lors du G7 en Italie sont des engagements très forts. Donc au niveau des relations bilatérales, nous avons vu l'intérêt des entreprises françaises que nous allons encourager.
et aussi l'accompagnement de la France, notamment dans les différentes négociations internationales que nous aurons, et surtout lors de la réunion que nous aurons en septembre pour le financement de notre plan quinquennal 2016-2020. Nous avons échangé aussi sur les différents problèmes concernant que ce soit le Mali ou bien la RCA, etc. Nous avons la même vision, ainsi que sur la crise du Moyen-Orient. Donc je pense que la France pourra travailler étroitement avec l'Union africaine afin d'accompagner l'Afrique pour que les problèmes africains soient résolus par les Africains, avec l'accompagnement bien sûr de nos amis. Donc je suis très heureux de ce passage de mon cher camarade, mais j'espère qu'il viendra pour plus longtemps. Enfin, c'est un passage éclair, pour que c'est un petit tour, mais j'espère qu'il viendra pour plus longtemps la prochaine fois. Dans cette tournée africaine, le ministre français en charge de l'Union européenne et des affaires étrangères est accompagné par Audrey Ajoula, candidate au poste du directeur général de l'UNESCO, à la recherche de soutien des pays africains. L'autre temps fort de cette édition, le chef de l'État a inauguré ce jeudi le pont de Kaka dans la préfecture de Koya. Les travaux ont été financés par la coopération japonaise à hauteur de 131 milliards de francs guinéens. La construction de ce pont entre dans le cadre du projet de réhabilitation du réseau routier guinéen engagé par le gouvernement. Ibrahima Keïta. En lieu et place de ce pont colonial, le président de la République, professeur Alpha Condé, a inauguré cet autre tant attendu ce jeudi. Démarré le 17 mai 2014, cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de la coopération guinéo-japonaise. Pour un montant total de 131 milliards de francs guinéens, l'infrastructure a été entièrement financée par le Japon à travers une aide financière non remboursable. Située sur la nationale numéro 1, ce nouveau pont a été réalisé par l'entreprise Dai Nippon Construction avec quelques entreprises locales à l'image de Bejec comme sous-traitant. En plus de l'utilisation de la main-d'œuvre locale, l'entreprise Dai Nippon Construction a aussi accepté le transfert de savoir-faire à 132 ouvriers guinéens. Il faut également souligner qu'au cours des travaux, les Japonais ont appris aux Guinéens à travailler selon l'idée de Kaizen, de l'amélioration permanente composée de 5S, savoir en japonais, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu et Shisuke, soit en français, séparer, systématiser, salubrité, standardiser, se discipliner. C'est avec cet esprit de travail que l'ensemble de l'équipe guinéo-japonaise a pu achever ce pont de 139 mètres de longueur et de très haute qualité, dont la très jolie courbure de la chaussée en trois dimensions est considérée comme extrêmement difficile à réaliser, tout en respectant le calendrier persi fixé dès la déclaration de fin de l'épidémie de virus Ebola qui a un temps interrompu les travaux. Je suis convaincu que le nouveau pont de Kaka contribuera largement à la fluidité de circulation sur ce grand axe de communication si essentiel pour la Guinée et qu'il rendra plus facile à la circulation des personnes et des marchandises. Ce nouveau pont vient ainsi combler un vide qui n'a que trop duré pour la fluidité de la circulation entre Conakry et les villes de l'intérieur. Mais quelles sont les caractéristiques de cet ouvrage? La réalisation de ce projet du nouveau pont Kaka a été possible grâce à la coopération guinéo-japonaise à travers la JICA, qui a financé les études et les travaux et la mission de contrôle pour un montant d'un milliard 600 millions de yens. Le nouveau pont Kaka a une longueur totale de 130 mètres linéaires, repartis en 5 travées de 25 mètres linéaires chacune. L'ouvrage est bâti sur 4 appuis intermédiaires avec une hauteur moyenne de 9,83 mètres linéaires et 2 culées massives. Le gabarit du pont est de 12 mètres linéaires et est constitué d'une chaussée de 2 fois 4 mètres, plus deux trottoirs de 1,5 mètre linéaire de part et d'autre de la chaussée. Les trottoirs sont bordés de garde-corps de 1 mètre de hauteur et le pont est éclairé de nuit par les lampadaires installés surtout le long de l'ouvrage et sur ses accès.
Il faut signaler que malgré l'arrêt de ce chantier à cause de l'épidémie Ebola, l'entreprise a exécuté ses travaux dans les délais contractuels. Après avoir salué la coopération entre la Guinée et le Japon, le président de la République, professeur Alpha Condé, a invité ses compatriotes au respect du code de la route, surtout sur ce nouveau pont, afin d'éviter les drames sur nos routes. C'est une grande fierté pour moi aujourd'hui de venir inaugurer le pont de Kaka, qui n'est qu'une des grandes réalisations, fruit de la coopération entre le Japon et la Guinée. Nous savons le nombre d'écoles que vous avez conçues, le nombre de ponts et surtout l'appui que vous avez apporté pendant l'Ebola avec le système de contrôle rapide. Dans quelques jours, j'aurai l'occasion de visiter votre beau pays puisque je dois aller en visite officielle du 19 au 21. Donc j'aurai l'occasion de remercier le Premier ministre ainsi que la population japonaise. Mais comme je l'ai dit au Premier ministre lors du 6e TICAD à Nairobi, c'est bien que le Japon nous fasse des dons. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui, ce sont les investissements des entreprises japonaises. Ce que nous souhaitons, c'est un crédit concessionnaire du Japon. Car nous souhaitons avoir une coopération gagnant-gagnant et d'égal à égal. Et nous souhaitons donc que la base de la coopération soit sur la base de la coopération gagnant-gagnant. J'espère donc que ce message que je vais transmettre au Japon sera bien entendu. Ce point est très important à cause des accidents qui avaient lieu ici. Mais les accidents sont dus parce que nous sommes très indisciplinés. Nous ne respectons pas le code de la route. Nous ne respectons pas le nombre de passagers. Lorsqu'un car doit prendre 20 personnes, on met 50 personnes. L'accident qui a eu lieu sur les dents de Kaba, que Dieu ait leur âme, c'est un véhicule qui ne pouvait prendre que 20 personnes et avait 54 personnes dont sur les toits. Alors, il ne suffit pas seulement de faire les ponts. Il faut qu'on discipline les conducteurs. Il faut qu'on discipline les populations. C'est pourquoi nous avons décidé de faire des états généraux de la circulation afin d'obliger chacun à respecter. Il y a des règles précises. Un camion ne doit pas dépasser un certain nombre de tonnes. Une citerne ne doit pas dépasser un certain nombre de litres. Un camion ne doit pas prendre, un bus ne doit pas prendre des gens au toit. On ne doit pas mettre. C'est pas, le toit n'est pas fait pour mettre des hommes, c'est pour mettre des bagages. Comme les Guinéens ne sont pas disciplinés, il faut alors qu'on vous apprenne à être disciplinés. C'est pourquoi nous allons désormais faire des lois qui vont obliger tous les transporteurs, les chauffeurs et les cyclistes à respecter désormais le col. Parce qu'il y a trop d'accidents en Guinée, trop de morts inutiles qu'on peut éviter. Mais Koya, il ne suffit pas seulement de faire voir deux fois quatre voies jusqu'à Kouria. Pourquoi vous arrêtez à Kouria et les gens de Kindia? Mais notre objectif, c'est de faire l'autoroute jusqu'à Kindia dans un premier temps et jusqu'à Mamou. Parce que ce n'est pas seulement le pont de Kaka où il y a beaucoup d'accidents. Sur la route entre Conakry et Kindia, entre Kindia et Mamou, il y a trop de virages et ces virages entraînent aussi des accidents. Donc si nous voulons améliorer la circulation, il faut qu'on change tous ces lignes. S'il plaît à Dieu, c'est l'objectif du gouvernement. Parce que la Guinée manquait d'eau, d'électricité et de route. Sans électricité, sans eau, sans route, il n'existe pas de pays. Notre bataille, c'est d'abord l'électricité, l'eau, mais aussi les routes. C'est ça qui fera que la Guinée peut se développer. Donc, s'il plaît à Dieu, j'ai pris l'engagement que dans 2 ans, on n'importera plus de riz. À condition que vous acceptez de cultiver, monsieur le préfet. Alors, moi-même, je vais donner l'exemple. J'ai envoyé un tracteur à Dibreka. Moi-même, je vais cultiver 400 hectares à Dibreka et 400 à Mandiana. Pour obliger les gouverneurs et les préfets et les généraux à cultiver aussi. Et le génie rural militaire va cultiver 600 hectares à Mandiana, je ne sais plus combien, à Dingraï et à Koba. Parce qu'importer le riz, ça nous coûte cher en devise et ça augmente le prix. Mais les Guinéens préfèrent le bravara local à la réimporter. C'est pourquoi nous allons faire en sorte. Ensuite, le paysan, s'il produit du riz, c'est pour sa consommation, ça ne permet pas d'avoir de l'argent pour envoyer ses enfants à l'école et construire. C'est pourquoi nous avons lancé la production de culture du riz et d'exportation. Malheureusement,
Koya n'a pas été un bon exemple. Parce que l'année dernière, nous avons fait 204 000 hectares dans la carte. Monsieur le préfet, Koya a fait combien d'hectares? Bofa a fait tout. Koundara, Gawar, Boké. Mais Koya et Libreka est un peu en arrière. J'espère que cette année, puisqu'on veut faire 300 000 hectares, j'espère que vous allez vous rattraper. La Guinée, on fait 100 000 tonnes de manne. Mon espoir que 1000 tonnes, tout le reste est pourri. C'est pourquoi nous avons un programme, nous avons commencé à Daboya, nous allons faire un hangar frigorifique à Daboya et à Kankan qui peut avoir toutes les 6 semaines 3000 tonnes de manne afin que les mannes ne pourrissent plus. Quand vous allez à Kindia ou à Frigadé, vous avez beaucoup de mannes sur la route. Les mannes guinéennes sont parmi les meilleures du monde, mais si on ne peut pas les exporter, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi nous sommes en train aussi de reprendre à Forcaya Sanguidia. Car Salguidia a été donné à une société libyenne, mais qui ne peut pas exploiter. Or, Salguidia peut nous permettre non seulement de développer l'ananas, mais de faire des usines de jus de fruits. Donc, nous voulons désormais non seulement cultiver, mais transformer nos produits sur le plan local. Car l'Ebola nous a donné des leçons. Je vous ai dit que les femmes à Pita, à Mali, à Labé, font beaucoup de pommes de terre. Mais comme monsieur le préfet, madame la gouverneure, vous n'aimez pas manger de pommes de terre sauf que lui, ces pommes de terre, on les vendait au Sénégal. Et quand le Sénégal a fermé ses frontières, les pommes de terre sont pourries. C'est pourquoi nous ne voulons plus exporter les pommes de terre, nous voulons les transformer sur place. Mais nous allons obliger l'armée, les étudiants, les préfets, le gouverneur à manger les pommes de terre. Monsieur le colonel génie militaire, toi aussi tu es concerné, hein. Il n'y a pas que les généraux. Toi aussi, avant que vous avancez les pommes de terre. Hein? Nous avons aussi des grands industriels ici. Enfin, ils se disent grands industriels. Mais j'espère qu'ils ne vont pas seulement faire des usines d'eau, mais ils vont cultiver aussi pour transformer le fruit en jus de fruits. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Surtout, nous voulons transformer la ville. Et la Koyamato, c'est pourquoi nous avons lancé le programme Hydraforme, c'est-à-dire ce qu'on appelle les briques consolidées, que vous avez déjà vu à la télévision, qui va permettre aux gens les moins fortunés de pouvoir avoir des maisons. Parce que seulement l'argile qu'on prend, qu'on mélange avec un peu de ciment pour pouvoir construire les maisons. D'ici 5 ans, nous voudrons qu'il n'y ait plus des maisons qui ressemblent à des taudis. Mais quand on rentre à Koya, qu'on pense qu'on est rentré dans une ville américaine ou française. N'est-ce pas, monsieur le préfet? Mais cela ne peut pas se faire sans travail. Il faut que nous acceptons de travailler. Il faut que nous acceptons d'être disciplinés. Il faut que nous acceptons de respecter les lois. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes d'affaires viennent. Beaucoup d'étrangers viennent. On doit bien les recevoir. On ne doit pas leur demander de l'argent à l'aéroport. On ne doit pas leur demander de l'argent sur les routes, comme le font les policiers. On doit bien les accueillir. C'est très important. Parce que hier, quand vous dites dehors, quand vous dites Guinéen, on vous demande pas, on vous dit Guinée-Bissau ou Guinée équatoriale. On avait oublié Guinée-Conakry. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, n'importe où vous allez aujourd'hui, quand vous dites Guinée-Conakry, on sait où c'est. Quand vous dites Guinéen, on sait d'où vous venez, on sait qui vous êtes. Là, Tiamoune Dangui, alors on a l'eau de la Guinée, voilà, le Bahama. Et est-ce qu'à Fari, il y a la Guinée, là, quelle est mon idée? Guinée-Bissau, quand Guinée équatoriale, vous voyez, on va connaître la Guinée équatoriale. Mais là, on va dire trop. Dieu a eu un taillon national. Il a fait un Guinée, il a fait un Guinée Conakry. Dans le cas, nous avons des femmes, nous avons fait un soir fin là, avec tout, et nous avons fait des RAMVCB, nous avons la Guinée, c'est qu'on va y arriver. Ouvert au public à partir de ce jeudi, cette nouvelle infrastructure va donc permettre aussi bien la redynamisation des échanges commerciaux sur le plan national, ainsi que le renforcement de l'intégration régionale, car le pont Kaka lie la capitale guinéenne à plusieurs pays de la sous-région. Et voilà Makita, ce nouveau pont de 130 mètres linéaires, fruit de la coopération guinéo-japonaise, remplace ainsi le vieux pont colonial. La réalisation de cette infrastructure va soulager les usagers de la route. En ce moment, Toumani Camara revient sur les caractéristiques de cet ouvrage. Regardez.
Sous le regard de cet ouvrage de 72 ans hérité de la colonisation, le nouveau pont Kaka sur la nationale numéro 1 a été ouvert au trafic ce jeudi. Le nouveau pont Kaka à Koya est long de 130 mètres avec une largeur de 12 mètres, réparti entre la chaussée et deux trottoirs de part et d'autre réservés aux piétons. Son tablier est éclairé par des lampadaires solaires et supporté par deux culées et quatre pieux. L'ouvrage est de la catégorie des ponts à poutres en béton précontraint. Une des innovations en génie civil. This bridge is, very caractéristique de ce pont, vous savez, il y a l'architecture qui est un peu différente, et aussi ils ont utilisé les poutres précontraintes pour réaliser ce pont. Design character. La différence entre ce pont et les autres ponts, d'abord c'est l'architecture, et secondo c'est les poutres précontraintes qui sont dosées, qui sont soumises, comme je l'ai dit, à des tensions. En bas, il y a des appareils d'appui. Les appareils d'appui, ce n'est pas directement posé sur la pile, c'est posé sur les appareils d'appui. Et encore dedans, ce qui est particulier aussi, il y a des ressorts dedans. Donc qui fait que vraiment quand il y a des mouvements, on peut le sentir. La durée, ça varie de 60 ans à 100 ans. Lancé en mai 2014 par le chef de l'État, les travaux d'aménagement du pont Kaka ont été exécutés par la société de construction des Nippon DNC. L'agence japonaise de coopération internationale JICA a financé la réalisation de cet ouvrage à hauteur de 131 milliards de francs guinéens, un don du pays du soleil levant à la Guinée. Au-delà de l'aspect infrastructurel, ces travaux ont aussi permis le transfert de savoir-faire aux 132 ouvriers guinéens par la dizaine des ingénieurs nippons et philippins. La première fois qu'on a ce pont pareil ici, et tous les travailleurs qui ont travaillé ici ont appris beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de formations, et par exemple, comment fabriquer les poutres, ça c'était un, et deuxième, comment se comporter sur les chantiers, des grands chantiers comme ça, et comment travailler dans une équipe très dynamique. Et je pense que c'était bien passé. On a travaillé avec des techniciens philippins et des japonais qui ont travaillé avec les Guinéens. Évidemment, les Guinéens sont très honnêtes, ils ont bien travaillé. Merci beaucoup. Situé sur la nationale numéro 1, le pont Kaka vient faciliter le trafic sur ce tronçon qui est la colonne vertébrale du trafic routier en Guinée. Il y a 4 ans, le volume de l'embouteillage au pont Kaka était de 3300 véhicules par jour. Et l'aménagement du reste du tronçon Koya Dabola, annoncé par le chef de l'État, va davantage améliorer le trafic vers plusieurs villes et des pays voisins. En ce moment, Malik Amara, merci pour ce reportage. Dans l'actualité encore, un projet innovateur dans le secteur de la protection de l'environnement, l'imagerie spatiale, est une nouvelle technologie de pointe qui permet de répertorier et d'évaluer le patrimoine forestier. Le projet est appuyé par l'Agence française de développement. Mamadou Alpha Baldé signe ce reportage. Ce protocole d'accord est le point de départ de l'observation spatiale des forêts en Guinée. Les statistiques forestières et autres informations liées au patrimoine environnemental sont souvent erronées. Avec le lancement de ce nouveau programme, la Guinée pourra à nouveau se doter de statistiques fiables et précises du couvert végétal. L'observation spatiale, c'est un outil très performant pour avoir les données sur les ressources naturelles. Une scène spot, par exemple, c'est des milliers de kilomètres carrés. Ça veut dire donc qu'avec une seule image spot, on embrasse une superficie extrêmement importante qui vous donne les informations sur les forêts, les cours d'eau et les sols, etc., etc. Donc c'est une masse importante de données sur l'environnement. Ces données vont pouvoir être utilisées dans tous les autres programmes que nous portons ou que d'autres, partenaires de la Guinée portent, notamment par exemple les programmes de recensement, quand vous avez du recensement sur un territoire. Donc ça donne beaucoup plus de précision à l'information, géographique.
géographique sur le pays. Ce projet d'imagerie spatiale est soutenu par l'Agence française de développement. Les prochains mois, des séances de formation seront organisées pour une utilisation optimale des équipements techniques. Dans le programme, il y a un volet très important qui est le volet de renforcement de capacités. Grâce à la mise en œuvre de ce volet renforcement de capacité, je pense que les techniciens seront assez outillés pour pouvoir utiliser cet outil. Donc c'est un important outil de gestion dans le cadre de la gestion durable des forêts. Avec le recul continu du couvert végétal, l'arrivée de l'imagerie spatiale devrait contribuer à mieux organiser les programmes de protection et de restauration des forêts dans tout le pays. Signature d'accord entre la société minière de Bokeh et l'AMR. L'accord porte sur l'exploitation de la bauxite dans la préfecture de Bokeh pour une enveloppe de 150 millions de dollars. La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres du ministère des Mines et ceux de l'ambassade de France en Guinée. Mohamed Toa Camara. En 2 ans d'exportation de bauxite, la SMB s'est beaucoup impliquée en faveur du développement communautaire à Bokeh. Pour accroître cette efficacité d'action, la société minière de Bokeh signe une nouvelle alliance. Le partenaire Alliance Minière Responsable AMR et l'accord porte sur 150 millions de dollars US. On va commencer la production cette année, ce qui est un exploit et cet exploit est réalisé grâce au partenariat avec la SMB. Avoir fait des études, conduit des études précises, non seulement sur l'aspect technique de l'exploitation, mais également sur les impacts environnementaux et sociaux. Donc, étant donné que toutes ces études ont été faites, nous pouvons démarrer dès aujourd'hui, dès la signature. La loi est très claire en ce sens. Les partenariats sont bien sûr autorisés, permis, encouragés, mais ils doivent être préalablement obtenir le blanc-seing, en tout cas, et la non-objection du ministère des Mines. Un accroissement salué par l'État guinéen, soucieux de constater l'évolution de la place guinéenne dans le classement mondial de la production de la bauxite. Toutes ces performances ne peuvent s'inscrire dans la durée que si des conditions idoines sont créées pour que l'exploitation de la bauxite et la cohabitation entre ces sociétés et les communautés se passe dans de bonnes conditions. Avec ce projet, la France se retrouve de nouveau au cœur de la filière mondiale de l'aluminium. Ce partenariat va largement contribuer à ce que la Guinée devienne à court terme leader mondial des exportations de bauxite. Cet accord offre en effet des capacités de production supplémentaires pour l'exportation d'une bauxite de meilleure qualité et à un prix plus compétitif. L'opération de remplacement de la conduite d'eau entre dans sa deuxième phase dans la commune de Matoto. Les techniciens japonais et de la SEG travaillent d'arrache-pied pour la mise en service de ces installations d'ici fin juillet. Voici le reportage de Nabi Kamara. Le renouvellement des conduites d'eau entre Anta et Sangoya a débuté il y a 6 mois. Le travail consiste à remplacer les conduites PRV non adaptées aux conditions écoclimatiques du pays par celles en fonte grise d'une durée de vie allant jusqu'à 100 ans. Ces conduites sont placées dans des tranchées creusées parallèlement aux anciens tuyaux. C'est une pose parallèle. L'ancienne tranchée, elle est restée. On a fait une nouvelle tranchée parallèle. Le sol est très très dur et qui nous a pris à peu près 3 à 4 mois. Et au jour d'aujourd'hui, ça c'est terminé. On a fait le raccordement, et on a fait le travaux, la pose, le raccordement, la désinfection, le rinçage et la mise en eau. Les travaux vont permettre d'augmenter la puissance du point de distribution principal pour alimenter en eau potable les zones en hauteur de la ville de Conakry. Le travail qu'on est en train de faire actuellement, ce n'est pas un travail qui augmente la production, mais c'est un travail qui nous permet d'avoir une plus grande quantité d'eau au niveau du point de distribution principal au niveau de la T4. C'est-à-dire et au point de vue quantité d'eau et au point de vue pression. La deuxième phase des travaux a commencé cette semaine.
Techniciens japonais et guinéens travaillent d'arrache-pied pour terminer le renouvellement de ces conduites d'ici fin juillet 2017. La Guinée se prépare au repos biologique dans sa zone économique maritime. Cette activité, qui s'étendra du 1er juillet au 31 août, sera supervisée par le Centre national de surveillance des pêches. Le ministère en charge des pêches a pris des dispositions pour éviter la pénurie du poisson sur le marché. Fali Louyanlo nous fait le point. Après la fin de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques, la Guinée se prépare à réduire les activités liées à la pêche industrielle dans sa zone économique. Au Centre national de surveillance des pêches, tous les dispositifs sont déjà en place pour surveiller les 60 miles marins, soit moins de 96 km de côte. Cette surveillance se situe en trois phases, maritime, aérienne et satellitaire. Tout navire bénéficiaire d'une licence de pêche est suivi au VMS. On connaît sa vitesse, on connaît son cap, on connaît sa position à une date précise. Étant donné qu'un navire qui est en transit, qui est en mouvement, c'est-à-dire qui navigue, et un navire qui pêche n'ont pas le même comportement par rapport à la vitesse et par rapport à la trajectoire qu'il décrit, nous pouvons soupçonner si le navire est en pêche ou est en transit. Le système d'ailleurs a des systèmes d'alarme. Pendant la période du 1er juillet au 31 août, les activités de pêche seront réduites à celles artisanales et les chalutiers sont interdits en deçà des limites indiquées. De son côté, le département a mis une stratégie en place pour ravitailler les marchés en produits halieutiques à travers des stocks de réserves et des accords signés avec certains pays de la sous-région. Et ce qui veut dire qu'il y aura moins de pêche et ce qui peut avoir des conséquences sur le ravitaillement du marché local en termes de produits halieutiques. Donc les dispositions que le ministère est en train de prendre et qu'on a eu à envisager d'ailleurs l'année dernière, c'est d'avoir des stocks de réserves que nous allons écouler immédiatement dès le lancement de la période biologique, de repos biologique, pour que nous ne puissions pas être en pénurie sur le marché local. Et lorsque ces stocks ne suffiront pas, nous avons déjà établi des partenariats et des accords avec des pays voisins. Selon les scientifiques, le repos biologique permet aux différentes espèces de poissons de se reproduire. Cette activité permet aussi d'assurer leur maturité, une mesure qui répond à l'urgence de sauvegarder les ressources halieutiques. Culture, le Premier ministre a reçu mercredi en audience l'association de Yelitomba de Guinée. Elhadj Mamadou Diokouyaté, à la tête de cette délégation, a exprimé au chef du gouvernement les préoccupations de son association. Ousmane Bangoura. L'association des Yelit de la République de Guinée. Le 15 avril dernier, un nouveau bureau exécutif de 13 membres avait été mis en place pour continuer à jouer le rôle de communicateur traditionnel. Notre vision, c'est-à-dire on est aujourd'hui réunis en association. Notre association s'appelle l'Association nationale des communicateurs traditionnels de Guinée, Yelitomba. Alors, normalement, il faut que nous soyons connus par notre gouvernement. Ces mots aimables de l'honorable Elhadj Mamadou Diokouyaté rassurent le Premier ministre. Nous devons être fiers de notre histoire et de nos traditions, et nous ne devons pas oublier que nos valeurs, quiconque veut construire un pays, quiconque veut s'appuyer sur l'existant, je veux parler donc de ce que nous avons de plus précieux, c'est notre histoire, ce sont nos valeurs propres. Donc nous savons très bien, pour ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, l'histoire, je dirais même au-delà de notre pays, de l'Afrique de l'Ouest, nous savons le rôle qu'ont joué les Yelit dans nos sociétés traditionnelles. Depuis la création de l'association des Yelit de Guinée en 1982, les actions menées sur terrain sont énormes. Pour multiplier les efforts, le nouveau bureau exécutif s'engage à maintenir toujours son rôle régalien de facilitateur pour la réconciliation des Guinéens.
Je vous le disais en titre, éducation, un étudiant, une tablette, une réalité dans les institutions d'enseignement supérieur. L'opération de distribution de cet outil fait du schéma. Les étudiants de l'université Ngo Conakry ont reçu l'équipe des sociétés Jotrofa et Saint-Céry. Mais Souris de Kira, quel est l'apport des tablettes dans le système d'enseignement supérieur? L'initiative présidentielle « Un étudiant, une tablette » trouve de l'écho à l'université Ngo Conakry. Pour le lancement de l'opération de vente, les techniciens de la société Jatrofa présentent aux étudiants les caractéristiques et avantages de ce nouvel outil appliqué à l'enseignement et à la recherche. Cette tablette sur le marché local coûte environ 2 millions. L'État a renoncé à toutes les taxes pour que ces tablettes soient les moins chères possibles à la disposition des étudiants, mais également qu'il soit ajouté à ces tablettes des formations supplémentaires en ligne que vous pouvez suivre à partir de votre lit chez vous pendant les vacances, ainsi que des cours de langue, donc des ressources pour que vous puissiez apprendre l'anglais et des tutoriels, ce qui est important également. L'achat de ces tablettes est subventionné à hauteur de 50% par l'État. Il revient donc à chaque étudiant de payer 981 750 francs guinéens. Pour appuyer les efforts du gouvernement, l'université Ngo couvre les frais de 12 tablettes pour les meilleurs étudiants de l'année 2017. C'est toujours dans l'optique d'accompagner le président de la République qui a eu vraiment cette initiative de doter chaque étudiant une tablette. D'autre part, c'est d'encourager aussi nos étudiants, qu'on meurt quand même, à les pousser vraiment à redoubler d'efforts et inciter vraiment les plus faibles aussi à travailler pour être vraiment les meilleurs. Plus de 300 000 ouvrages disponibles, 500 cours en ligne, 100 MOOC spécialisés constituent le contenu pédagogique d'une tablette. L'accès aux cours passe par une remise à niveau de chaque étudiant. Pour que nous soyons représentatifs, c'est-à-dire les jeunes Guinéens sur la scène internationale, il faut être formé. C'est ça, donc je salue l'initiative du président de la République. Lors du lancement de vente des tablettes Saint-Céry, les étudiants ont eu droit à toutes les informations liées aux modalités d'accès. La photocopie de la pièce d'identité, deux photos, 15 000 francs guinéens comme frais d'ouverture de compte constituent les dossiers d'adhésion. Selon les moyens de l'étudiant, le paiement s'étend sur une année universitaire. 100 000 tablettes sont à distribuer dans toutes les universités du pays pendant 2 ans. 25 000 seront distribuées cette première année. Une garantie d'un an est accordée à chaque tablette. En plus bref, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés du ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles et des membres du gouvernement que conformément au chronogramme de la session en cours, la plénière initialement prévue jeudi 15 juin 2017 aura lieu ce vendredi 16 juin 2017 à 10h précise à l'hémicycle au Palais du Peuple à Conakry. Vive émotion, douleur et consternation, les dépouilles mortels des 4 casques bleus guinéens ont regagné Conakry cet après-midi à bord d'un appareil des Nations Unies. C'est le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale entouré du commandement militaire qui a accueilli ces 4 martyrs morts au cours d'une attaque à Kidal dans le nord du Mali. Le film de la cérémonie avec le sergent-chef Salah Kamara, correspondant de la presse militaire. Il était 13h55 lorsque l'avion transportant les dépouilles mortelles des 4 casques bleus guinéens, tués le 8 juin dernier à Kidal, au nord Mali, atterrissait sur le tarmac de la base aérienne principale de Conakry. Moment de tristesse et de compassion où l'assistance retenait difficilement les larmes. C'est le commandant des forces de la MINUSMA qui a tenu à accompagner ces 4 martyrs. C'est un message de solidarité que je viens transmettre aussi à vous, monsieur le ministre, et au peuple guinéen. En signe de reconnaissance pour les efforts que vous faites au niveau de la MINUSMA, donc en intégrant la MINUSMA, les efforts que vous faites en faveur de la paix et de la sécurité au Mali. À cette occasion, je profite de l'occasion pour présenter mes propres condoléances, les condoléances de ma délégation qui est constituée par un officier et puis un élément de la chancellerie de la présidence. Que la terre les soit légère et que leur âme repose en paix. Très tôt ce matin, l'enceinte de l'état-major de l'armée de l'air a été prise d'assaut par une foule nombreuse. Parents, amis, connaissances, autorités civiles et militaires, aucun ne voulait rester en marge de cet événement pathétique. Qu'un pays n'est à l'abri aujourd'hui de terrorisme. Et c'est dans ce cadre-là et dans la mission de maintien de la paix au niveau du Mali que ces combattants ont été déployés.
Et comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Nous avons pour la première fois perdu 2 combattants. Ensuite, il y a eu 7. Aujourd'hui, ça fait 4. C'est un bilan très lourd pour le peuple de Guinée. Le capitaine Pepe Théoro, le sous-lieutenant Soa Bonamou, l'adjudant-chef Ibrahim Sori Souma et l'adjudant-chef Alseni Yari Konté sont tombés au champ d'honneur, armes à la main, pour la défense d'une cause noble et juste. Avant de quitter Conakry, les délégations onusiennes et maliennes se sont successivement entretenues avec le ministre d'État à la Défense nationale et la hiérarchie militaire. Et puis, page noire, toujours en plus bref, la présidence de la République a la profonde douleur d'annoncer le décès de Tamba Koundou Tongino, traducteur au bureau de presse de la présidence de la République. Décès survenu ce jour 15 juin 2017 à Conakry, des suites d'un accident de la circulation. La levée du corps aura lieu demain 16 juin 2017 à 16h à la morgue d'Ignasdine, suivi du départ de la dépouille mortelle pour l'enterrement dans son village à Kundoto, dans la préfecture de Gekedou. En cette douloureuse circonstance, la présidence de la République adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée. La haute autorité de la communication également a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée, aux institutions de la République, aux associations professionnelles de presse et à l'ensemble des journalistes de Guinée, le décès de M. Hassan Abraham Keïta, journaliste, directeur de publication des hebdomadaires Le Lynx et La Lance, décès survenu ce jour 15 juin 2017 à l'hôpital sino-guinéen des suites de maladie. Le défunt Hassan Abraham Keïta était un professionnel et l'un des doyens de la presse écrite guinéenne. À cette douloureuse occasion, la haute autorité de la communication présente ses condoléances émues et attristées à la famille du défunt, à la presse guinéenne et au peuple de Guinée. L'enterrement aura lieu demain vendredi 16h. 16 juin 2017, après la prière de 14h au cimetière de Koloma 2, qu'on a créé le 15 juin 2017 pour la présidente de la communication, la présidente Madame Martine Condé, pour la présidente, donc pour la haute autorité de la communication, j'allais dire, la présidente Madame Martine Condé. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une nuit paisible en ce mois saint de Ramadan. À bientôt. Vous l'attendiez ? Elle est arrivée. Sincéry, la tablette didactique guinéenne. Pour une tablette achetée, bénéficiez d'un accès à plus de 500 cours en ligne, 100 000 livres et ressources pédagogiques.